Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va avoir du diamond painting, mais pas comme d'habitude. J'avais envie de vous faire une petite récap de tous les diamond painting que l'on a déjà fait, Chouchou et moi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Chouchou c'est mon mari. Voilà, depuis qu'on s'est mis au diamond painting. Et donc je voulais vous les montrer, parce que peut-être que vous ne les connaissez pas tous, hein, tous les DP qu'on a fait. Bon, je vous rassure, il n'y en a pas une centaine, hein, heureusement. donc, je voulais vous les montrer. Alors, il y a ceux qui sont au mur, il y a les encadrés pas au mur, et il y a ceux qui attendent les encadrements. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Et ben, si vous avez des commentaires à me laisser sur ces DP, n'hésitez pas. Maintenant, je vais vous souhaiter un bon visionnage. Alors, je vais essayer de vous mettre le nom des boutiques en dessous de chaque DP. Je vais essayer. parce qu'il y a des boutiques, bon, surtout ceux qui viennent de chez AliExpress, je pense que je suis pas sûre de retrouver le nom des boutiques. Hein. Mais bon, je vais regarder sur mon profil client d'AliExpress si je les retrouve. Mais sinon, je vous marquerai AliExpress, tout simplement. Mais je vais faire au mieux, comme d'habitude. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Maintenant, je vous refais. Non, pas maintenant le gros bisou. Je vous le ferai à la fin. Voilà. Allez, je vous laisse visionner et je vous dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Alors, je commence par vous montrer les kits qui ont été encadrés et qui sont au mur. Donc voilà le premier que j'ai fait. Voilà. Donc celui-là, ça a été mon tout premier. Donc c'est la taille, ça doit être un 50-60, si je me rappelle bien. Celui-ci, c'est mon mari, donc c'est Chouchou qui l'a fait. Donc, celui-là, c'est un 50-70 ou 40-70. Les jolis perroquets bleus. Ensuite, oh, alors désolé, il y a la lumière, je vais me mettre comme ça, voilà. Les loups avec un attrape-rêve, donc c'est lui aussi qui l'a fait. Donc c'est pareil, ça doit être celui-là est un peu plus grand, je crois que c'est un 70-80. Voilà. Ici, alors on va essayer de ne pas taper dans la lumière. Voilà. Là, c'est moi qui l'ai fait. Donc, désolé pour les bibelots hein, qui sont devant. Donc, une petite famille de tigres blancs. Donc, c'est un grand aussi. Pareil, je ne connais plus tellement la taille. Et le dernier pour ici. Alors, on va essayer d'enlever. C'est pas la lumière. Voilà. Donc celui-là, c'est pareil, c'est Chouchou qui l'a fait. Voilà, donc là, je n'avais pas trouvé de cadre qui allait pour celui-là. Alors, attendez, c'est dommage. Avec la lampe, c'est compliqué. Donc voilà. Ici, Fifi qui mange un Fifi. Là, Pacha, bonjour. Bonjour Pacha. Et Jerry qui fait dodo. Voilà. Allez, je vous montre la suite. Je vous emmène dans mon escalier. Alors, on
on va allumer là par contre. Attention que je me casse pas la binette en même temps. Voilà. Ah, les filles montées. Tant pis. Voilà. Donc normalement c'était une série de 4. J'en ai perdu un et j'en ai un qui s'est abîmé. Donc voilà. Une rose bleue et une rose violette. Donc là c'est des petits. Et j'avais fait un tour avec un ruban adhésif. Donc dans la couleur des fleurs. Voilà. Et là c'est Pacha. Petit petit Pacha. Pacha. Coucou. Et là, c'est qui? C'est Fifi. Oh, avec des yeux. On voit que ça va être Halloween. Ah oui. Alors, maintenant, je vais vous montrer tous ceux qui sont terminés. Alors, il m'en reste des encadrés, mais qui ne sont pas au mur. Alors, soit parce que je n'ai pas encore eu le temps de les mettre au mur, ou soit parce qu'ils étaient au mur, mais qui sont tombés. Voilà, vous vous rappelez, j'ai peut-être déjà dû vous le dire dans une vidéo, les cadres sont tombés, et du coup, ben, ils ont... là, il faut que je les remette en cadre ou réparer le cadre. Alors, j'ai d'abord celui-ci. Voilà. Rappelez, celui-là, c'était celui de la boutique Mes Petits Diams. Donc, il était tombé. Celui-là, heureusement, la vitre n'est pas cassée. Donc, il va me suffire de réparer le cadre. Voilà, il est un petit peu abîmé, là, derrière. Donc, je vais voir comment je vais faire. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors là, par contre, il n'y a plus de vitre. La vitre a cassé. Heureusement, le kit n'a rien eu. Mais du coup, là, il faut que je rachète carrément un cadre. Voilà. Ou alors une vitre. Mais bon, ça me coûtera moins cher de racheter un cadre, de toute façon. Donc, celui-là venait de la boutique Mes Petits Diams aussi. Ici, celui que je vous montre maintenant. Voilà. Alors, celui-là, c'est un que j'avais acheté sur AliExpress, ça fait un moment. Donc, lui, il n'est pas tombé, rien du tout. C'est que je n'ai pas encore trouvé la place pour le mettre. Parce que lui, j'aimerais bien qu'il aille dans la cuisine, mais il n'y a pas de place. Donc, je le garde de côté, puisque j'attends depuis un moment pour redéménager. Et donc, si j'ai un nouveau logement, je lui trouverai une place à ce moment-là. Voilà. Donc, lui venait d'AliExpress, mais ne me demandez pas le vendeur, ça, je ne m'en rappelle plus du tout. Hein. Ça fait un moment que je l'ai, celui-là. Et ensuite, celui-ci. Alors, ça fait un bon moment aussi qu'il est fait. Pareil, il vient de chez AliExpress, donc c'était un partiel. Donc, en strass. Donc, lui, ça fait très très longtemps que je l'ai fait. Alors, lui était au mur et on ne l'a pas remis encore. Il était dans ma chambre et quand on a fait le changement, on a interverti la chambre et l'atelier. Et du coup, on ne l'a pas encore remis. Donc, bon, il faut qu'on le remette. Mais voilà. Donc, il était très beau aussi, celui-là. Alors, il me reste un qui est encadré. Qui n'a pas trouvé encore sa place. Alors j'essaye pour que vous le voyez bien. Voilà. Donc lui n'a pas été au mur. Alors, voilà. Donc celui-là vient de chez AliExpress aussi. À l'époque je l'avais fait faire en perso. Et maintenant je me suis aperçue que bah, beaucoup de vendeurs l'ont. Depuis que moi je l'avais fait faire en perso. Donc voilà. Ensuite, alors je vais essayer, pardon, de vous montrer. Alors là maintenant, ce qui reste, c'est tous les ceux qui attendent d'être encadrés. Celui-là, vous vous en rappelez.
Alors, j'espère que vous le voyez bien. Je vais bouger le pied. C'est la japonaise. Voilà. Donc, lui, il n'a jamais été encadré. Donc, c'est un grand. Hein. Il fait 45 sur 60. Donc, je laisse sa protection pour l'instant. Ici, les loups blancs, voilà. Donc, c'est un 60 sur 45. Donc, pareil, il attend de recevoir un cadre. Alors, celui-là, alors celui que je vais vous montrer derrière, alors il est très, ça fait longtemps que je l'ai commencé, je dis commencé parce qu'il n'est pas fini, et puis vous voyez là, du coup il s'est abîmé, donc il va falloir que je le mette bien à plat, pour et puis rectifier ma ligne ici, parce qu'il s'est plié, et il me reste vraiment une toute petite partie, ici, voilà, ici, à finir et quelques perles là, quelques ici, voilà, j'espère que vous voyez, à finir, mais là il s'est abîmé sur toute la ligne. Alors j'espère que vous voyez où je vous montre. Voilà, toute cette ligne là est abîmée, enfin abîmée, pas réellement abîmée, mais le pli m'a décalé un peu les perles, sinon il est magnifique. Alors celui là ça fait plus de 3 ans. Et il faut que je termine. Donc c'est un de mes premiers aussi. Voilà, est-ce que j'en ai encore un en dessous? Oui. Ah oui. Voilà. Alors, le Bouddha. Voilà. Alors lui, j'ai galéré, enfin je n'ai pas galéré, mais j'en avais marre de faire le fond tout blanc. D'ailleurs, je ne choisis plus des grands fonds comme ça parce que c'est galère. Mais sinon, il est très beau. Hein. Voilà. Je ne crois pas que j'en ai encore un en dessous, non. Voilà, alors attendez, je vais vite les remettre à leur place. Bon, donc celui-là, bah, il faut que je m'en occupe, que je le répare. Et même de ce côté-là, il est plié. Donc il va falloir que je le mette bien à plat avec du lourd dessus. Alors, juste une petite seconde. Voilà. Et maintenant, donc ceux, les derniers que vous connaissez certainement. Donc le tout dernier, le chat, que j'ai terminé hier. Voilà, de la boutique FG Normal. Les hiboux. Donc de la boutique Mes Petits Jams. J'ai terminé ben, la semaine dernière, je crois, si je me trompe pas. La cascade qui brille bien. Donc celui-là de la boutique FG Normal aussi, si je ne me trompe pas. Betty Boop, bien sûr. Donc, boutique FG Normal également. Les chats, le chat de chez Action.
une autre cascade. Voilà, là qui est en verticale. J'aime beaucoup aussi celui-là. Alors celui-là, je ne sais plus quelle boutique. Gutfeld, je crois. Je crois, je suis plus sûre. Je vais, de toute façon, je vais essayer de vérifier et je vous marquerai les boutiques en dessous des images si j'y pense. Donc là, le pan. Là. Le cheval, donc ça vient de chez mes petits Diams. Il est super beau aussi. Là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Chouchou. Donc il vient de AliExpress. Donc les trois chatons hein, qui se transforment en tigre, panthère et puis un autre tigre, je crois. Ici, Johnny Hallyday. Donc là, ça vient de mes petits Diams. Ah, celui-là est à l'envers. Je vous remets à l'endroit. Alors là, il a son encadrement en carton, mais il n'a plus son cadre. Le cadre a cassé. Donc ça, c'était Chouchou qui l'avait fait. C'était un partiel en strass. Voilà. Ici, la femme et le tigre, donc qui vient de la boutique Kefan. Et le dernier, si je ne me trompe pas, je regarde en dessous, oui. Donc lui, son cadre a cassé aussi. Voilà, oui, j'ai le plastique. Ça, c'est Chouchou aussi qui l'a fait. Voilà. La mer avec des dauphins. Il est très joli aussi, celui-là. Donc, voilà. J'en ai oublié un. Mais, bon, il est dans ma salle de bain. Donc, bon, c'est rien. C'est juste une orchidée avec des galets, voilà, avec un fond blanc. Donc c'est le seul que j'ai oublié de vous montrer. Donc voilà, vous avez vu tous nos kits que l'on a fait depuis qu'on s'est mis au Diamond Painting. Voilà, je vais les ranger après, bien les remettre à plat. Et donc, vous voyez, j'en ai quand même pas mal encadré. Et bon, on verra un petit peu à la fois. Et après, bon, je verrai de toute façon, parce que les encadrer et après les mettre au mur, au bout d'un moment, il n'y aura plus de mur. Donc, il faut qu'on voit. Un petit rajout dans la vidéo avant que je vous fasse le bisou. J'ai oublié de vous montrer ce kit ici que j'avais terminé.
Donc j'avais fait celui-là que j'avais fait, qui venait de la boutique Mes Petits Diams. Voilà, des petits chats. Celui-ci, donc c'était l'arbre d'été, je crois. Oui, ou l'arbre du printemps, je ne sais plus. Donc en diamants spéciaux, toujours de la boutique Mes Petits Diams. Ici, un petit hibou grincheux qui vient toujours de la boutique Mes Petits Diams. L'arbre d'hiver, voilà, qui vient également de la boutique Mes Petits Diams. Ils sont super beaux, hein, ceux-là. Et c'est tout, là derrière, non, c'est des papiers. Voilà, c'était quatre kits que j'avais oublié de vous montrer. Celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, vous avez eu donc tous les kits que l'on a fait depuis le début. Donc ça fait maintenant 3-4 ans qu'on fait des diamond painting. Il nous en reste pas mal à faire, hein. Je vais essayer de vous mettre. Alors j'ai dit je vais essayer de vous mettre les photos de ce qu'il nous reste à faire. Parce que là, bon, j'en ai. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bon, j'en ai une vingtaine d'avance. J'ai de quoi faire cet hiver. Enfin, il y en a à moi, il y en a à Chouchou. Enfin, il y en a beaucoup plus à moi qu'à Chouchou. Déjà, lui, bon, il leur fait. Il est beaucoup moins hein, que moi. Lui, en ce moment, de toute façon, il est dans ses coloriages. Voilà. Son diamond painting du moment, pour l'instant, il est mis sur le côté. Mais bon, il va s'y remettre. Hein, il n'y a pas de souci. Mais bon, lui, c'est par période. Voilà. En ce moment, il est dans le coloriage. Donc, il fait ses coloriages. D'ailleurs, bah, si vous voulez voir ses coloriages. Il les met sur son Instagram. Et si ça vous intéresse de voir, je vais vous mettre l'adresse de son Instagram en barre d'infos. Voilà, comme ça, si vous voulez aller voir ses coloriages, vous pourrez y aller. Il va se dire, hein, c'est quoi tous ces gens qui viennent voir mon Instagram? Mais bon, ce sera bien. Voilà, il aura de la visite. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de visites sur son Instagram. Donc, ce sera cool. Voilà, comme ça, vous pourrez aller voir les coloriages qu'il fait. Je crois qu'il a mis aussi un peu ses DP dedans. Bon, comme je vous ai dit, il n'en a pas fait beaucoup, lui, hein, mais bon, il a mis ses DP dedans aussi. Mais bon, ça lui fera plaisir d'avoir un peu de visite, je pense, sur son Instagram. Voilà, donc je vais vous mettre son adresse en barre d'infos. Donc voilà. Bah écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, qu'on aura fait une petite récap de tous ces DP. Et puis, bah, il me restera après à vous montrer tout ce qui reste à faire. J'espère qu'ils seront finis. Mais bon, il faudrait que je vous fasse une récap aussi, du coup, de ce qui reste à faire. Je vais voir si je peux retrouver toutes les photos. Parce que, bon, je nettoie régulièrement mon ordi parce que sinon il serait rempli de vidéos, de photos et tout, donc je sais pas si je les ai encore toutes dedans. Je vais voir. Bon, si vous les voyez pas à la fin, c'est que je les ai pas trouvées tout de suite, hein, donc vous inquiétez pas, sinon je vous ferai une récap plus tard. Voilà. Allez, je vais vous faire des énormes bisous, comme d'habitude. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Et plein de commentaires. Tout plein, tout plein, tout plein.
Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.